Allez, on y retourne. On vient de prendre le crit. Je vais taper. Là, il y a un truc, là. Il y avait un chevalier, il y avait un truc. Bon, j'ai plus de gold, j'ai plus rien. Là, j'ai envie de jouer maintenant. Hein. Ça suffit, les dialogues. J'ai l'impression qu'il n'y a pas ce truc comme dans Hades où les PNJ te parlent et on te dit, on te montre que parler aux PNJ, c'est important. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de feedback qui te dit que parler aux PNJ a l'air mandatory. Ok. Ah ! Ok. Ah, en fonçant contre le mur, il se fait pas de dégâts. C'est dommage. J'aurais bien aimé jouer avec ça. Jouer avec ça. Oh, le Kamek. Ok, le Kamek est dead. Bon, allez, on va accélérer la cadence, hein. Ça suffit maintenant. On n'est plus un débutant. On a fait deux runs. Bon, c'est bon. Ça y est, là, j'ai 200 heures de jeu. Oh, faut que je parle à LRB de ce jeu. Il va trop kiffer, je pense. LRB va trop aimer, mon avis. Si, il connaît pas. Si ça se trouve, il connaît. Voilà, c'est la run où on tue le boss, hein. Désolé, mais ça y est, c'est bon. Enfin, sauf si j'ai pas de luck à la RNG comme d'hab, quoi. Bref, on parle après. J'ai du mal à faire un saut tap. Alors que le saut tap, ça a vraiment l'air d'être le truc insane. Ah, faut que je pense à taper le décor. Est-ce que vraiment faut que je pense à taper le décor? Ah non, j'ai pris la flèche. On va d'abord se charger des archers. Aïe, Gérard. Ok. Ok. J'arrive pas à faire le saut tap. Ouais, faut spammer. J'ai l'impression que contre eux, faut juste spammer. Hein. J'ai l'impression que ça se passe toujours bien en spammant et jamais bien autrement. Alors là, ok. Ah ok, faut le tuer. Bah oui, c'est vrai. C'est quand même assez difficile en termes d'esquive. Là ça va, les ennemis sont basiques, ils te one-shot pas, mais faire du no-hit c'est quand même c'est quand même pas évident, je trouve. Ok, est-ce que les plantes tirent encore quand tous les ennemis sont morts? Ah, il faut que j'aille au portail pour faire spawn le truc. Ah ouais, ça c'est une différence par rapport à Hades ou quoi. Ok, piquer squelette. Les sprints sont considérés comme des attaques. Lors d'un échange, charge et inflige des dégâts physiques. Réduit considérablement le rechargement du sprint pendant 8 secondes tant que son effet dure. Ok. Merde. Merde. Oh. Ah non, elle tape encore pendant les trucs, ok. Bon, ça va. Vas-y, on y va. On va échanger, on va échanger. On va se mettre là. Et là, on échange. Ouf. Ok, le piqué m'a l'air pas mal du tout. Et donc, le sprint. Ah non. Attends, c'est quoi? Réduit le rechargement du... Mais je sprint jamais, c'est vrai. C'est vrai que je sprint jamais. Comment on sprint? Dina Balzac a offert 10 subs! Merci beaucoup! Comment on sprint? C'était B, je crois, non? Mais non, ça sprint pas. Ah si, c'est ça! Si, c'est ça, c'est le dashing! J'ai déjà le dashing, je suis un idiot! Oh là là, mais je suis trop con! Ah, mais bien sûr! Mais bien sûr! Les amis! J'ai déjà de la OE! Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'on peut spammer, quoi. Ok, 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 c'est bon, c'est bon. J'ai compris, j'ai compris. Effectivement. J'avais que 50% des touches. C'est comme si sur Hades, les gens qui jouent avec le B, tu vois. Aïe. Eh, c'est en tombant qu'on apprend. Eh oui. Ok, mais du coup c'est chaud en termes d'input. En vrai, je le comprends. Et du coup, j'ai aucun endroit où je vois le temps de recharge du dashing. Ça m'étonne, ça. Ah, et le dash stun la plante. Aïe, pas du tout. Encore un jeu où il y a dash. Ok, ok. Ah, j'ai l'impression que le dash peut pas nous faire tomber. Regardez, si je dash au bord d'un mur. Ah si. Mais si je suis loin, il s'arrête pas? Non, c'était un hasard. Ah ouais, c'était un hasard, ok. C'était un hasard. Ah, Berserker. Ouh, ça a l'air incroyable. Ok, on va changer. On va enlever le petit squelette. Ok, alors...
Ok, des mannequins d'entraînement, vite, vite, vite. What? Je me suis jeté dans les têtes. Il tape à 31. Ok, pouvoir 1. C'est quoi? Pouvoir 2. Ah! Ok, donc lance un cri de guerre qui inflige des dégâts physiques et augmente la vitesse d'attaque de 100% pendant 10 secondes. Charge et percute les ennemis qui effectue une attaque tranchante descendante qui inflige des dégâts physiques. C'est incroyable. Et taper. Est-ce que quand je passe une porte, ça recharge mes cooldowns? Réponse, non. Ok, il faut que j'achète ça, j'ai pas le choix. On va essayer de tuer le boss là. Recrute Carl. Non, non, c'est de la merde. Non, mais là, on a eu un. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Je n'ai pas de quintessence de squelette. Ni tu serais d'accord pour te sacrifier pour une bonne cause? Quoi? La quintessence existe depuis aussi longtemps que nous, les démons. Je suis la quatrième génération d'artisans de quintessence. Mon petit-fils sera la cinquième. Mon fils est parti protéger le roi démon, mais il n'est pas encore revenu. Ok. Ça a l'air pas mal. Bidoudou, bidoudou, bidoudou. Boss! Est-ce qu'on va la voir? C'est une nonne. Et enfin, ma sœur. Voici mon coup sacré. Aïe, 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 ouh, ça va pas la tête. Ok, elle en fait 3. La déesse ne te pardonnera pas. Ouais, non mais là... J'ai pris les 3, j'ai pris les 3. J'avais un pattern où je pouvais plus m'en sortir. Ok, elle se soigne. J'arrive pas à... Ok, elle est déjà mis de life par contre. Concentre-toi, veux-tu? Courage, tout le monde. Non mais quoi? En fait, c'est compliqué parce que comme je connais pas les patterns, j'ai peur que d'un coup un truc me one-shot. Oh! Full DPS, full DPS. Tapez, tapez, tapez. On a bourriné hein. Ok, orc. Augmente l'attaque physique de 40%, c'est sûr qu'on va prendre ça. Battre un ennemi donne 20% de chance de créer une explosion qui inflige des dégâts magiques. Augmente les PV maximum de 30, c'est sûr qu'on va prendre ça. Petit voleur, non. Donc on est d'accord que ça, c'est la pierre de la rancune. Ça, c'est un orc. Cri de guerre, dégâts infligés sont doublés pendant 10 secondes. Et non mais on va prendre ça hein, c'est sûr. On va booster les PV. En plus ça nous heal de 30. Et voilà. Ouais, en plus chance d'AOE et tout. Oh là là, quoi? Ah, comme c'est agréable d'être bien au chaud dans un cocon. Ami ou ennemi? Ami. Ah ça va, c'est un ami. Oui, c'est toi, le petit squelette dont elle parlait. Je t'attendais, j'ai promis de t'aider, mais ne me demande pas pourquoi, sache que je ne t'aide pas par pitié. Bon, voilà qui est fait. Tu tires ta puissance des têtes des autres, mais les têtes que tu as obtenues sont vraiment pitoyables. Dans les mains d'un squelette aussi faible que toi, elles ne révéleront jamais leur plein potentiel. Considère-toi chanceux de m'avoir rencontré. Mes aptitudes correspondent parfaitement aux créatures comme toi. Et Sylvanas ? Vous ne servez à rien ! Apporte-moi des fragments d'os et je t'aiderai avec mes pouvoirs. Combiner les fragments d'os et la tête que tu m'as apportée révèle leur véritable pouvoir. Cependant, tu dois me promettre une chose. Dis à la sorcière que tu as reçu mon aide, ne me demande pas pourquoi. Allez, va lui apporter des fragments d'os, bouffon. D'accord. Je la bute. Ah, je rigolais. Allez, on peut rigoler, non? D'accord. Bon, on y va. C'est que les PNJ sont très sympas. Hein. Très plaisir. Utilise l'attaque coupe. Oh, what the fuck? Ah, c'est des mobs! Oh, quoi? J'ai eu combien là? 2000? Oh, mon argent! Oh, mon argent! De l'argent! Wow! Ok, ok. Oh, j'ai tout one shot, mais. Ah! 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 Je me suis trompé de touche, c'est énorme! Comment on joue déjà? Ah oui! Je me souviens de rien, c'est énorme. C'est énorme ce qui se passe. Je confonds les touches. En même temps, je suis jamais arrivé ici loin.
Ah, mais j'ai plus d'HP, c'est fatigant. Fatigant un peu. Donc y a pas de dégâts de chute, on est d'accord, hein, même à l'infini. Oh quoi? Prendre le jump à côté d'un truc, ça les empoisonne. Mais non. C'est énorme. Ok. Donc pour twitcher, c'est bien celui-là, d'accord. C'est les gâchettes, les pouvoirs. Je m'en souviendrai pas, mais vous, vous en souviendrez. Ok. Ah, c'est un... Oh ok. Ah, c'est quand même puissant, hein. Ça aide, hein. Libéré. Oh, regardez. C'est un renard. Oh, il est trop stylé. Comment tu es venu me sauver? J'ai chassé plus d'une centaine d'humains avant de me faire prendre, et tout ce qu'ils ont trouvé à envoyer pour me sauver, c'est un mini-squelette. Tu plaisantes, j'espère. Va chercher le roi des mondes. Comment? Ton château a été envahi et capturé. Et la sorcière? Comment? Tu l'as sauvé? Comme si j'allais te croire, les humains sont forts. Leur héros est particulièrement puissant. Pour l'instant, je vais aller voir le château du roi des mondes. Je pense pouvoir les arrêter avec les autres sénateurs. Quant à toi, m'en fiche. Fais attention. Bah de rien! Vraiment, on se fait prendre pour une merde par tout le monde, là, c'est énorme. Ah, Crane Ent. Alors, j'ai beaucoup aimé parce qu'il a beaucoup d'AOE. Donc, je pense que je vais le switcher avec lui. Voilà. Groot est pas mal parce que son ça, là... Quoi? Quoi? Oh, quoi? C'est pas le même. Copain Sylvestre, un arbre jaillit du sol et des attaques ennemies... C'est vrai que c'est exceptionnel. C'est absolument exceptionnel. Bon, je prends quand même l'autre. What? Bonne chance. Oui. Ok. Ok. Oh. Ah mais eux, j'ai plus le droit de prendre des dégâts. En tout cas avec le berserker. Oh, hausse du courage. Amplifie les dégâts de la prochaine attaque normale de 50% toutes les 3 secondes. Incroyable. Selon le nombre de crânes de puissance possédés, l'amplification des dégâts augmente jusqu'à 100 ou 200%. Alors par contre, il y a vraiment un truc que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi là, il y a deux trucs après. Genre, est-ce que j'ai les deux effets là tout de suite, ou est-ce que je dois choisir entre les deux? Si oui, comment? Je comprends pas. Parce que là, je vois bien que ça... Ça me donne des... Ah non, d'accord, j'ai compris. En fait, cet objet donne 1 de démolition et 1 de marche. Et ça, c'était stat global. Donc oui, j'ai les deux. J'ai les deux. Là, j'ai tactique et exécution. J'ai tactique, exécution, marche, machin. Et tous ces buffs-là, ils font des trucs. Ok, ok, ok. C'est des genres d'items de 7, ouais, voilà. Ok, c'est énorme. Oh, attends, ça m'a soigné. J'ai ramassé un truc qui m'a soigné, non? Les petits boules violettes, moi, je croyais que... Ah, donc ramasser des trucs, ramasser ça, là, ça soigne aussi, j'ai l'impression. Et tu peux les upgrade, ouais, exactement. Un orbe violet, ça heal, ouais, exactement. Ah oui. Là, ça... Wow. Ça frappait à 97. Attends. Ça frappait à 97 parce que c'est la... une attaque toutes les 3 secondes. J'espère que ça compte pas sur un... Ah, attendez, j'ai le buff en bas, c'est ça? Ah, on peut pas mouse over, c'est dommage, ça. Sauf qu'en fait, j'ai le truc là. Voilà, c'est ça. Les 3 secondes. Et là, il y a écrit 2, pourquoi? Parce que c'est mes 2 prochaines attaques. Ok. Ouais, non, ok, c'est parce qu'il est niveau 2. Ok. Ah, il a pris le truc. Ah, lui aussi. Est-ce que je ramasse si je vais... Ah non, si je vais pas en bas. Attends. Ok, ils se sont TP les mages, là. C'est un truc de fou. Et... Oh non. J'ai complètement raté. Enfin, j'ai raté ma première attaque. Je sais pas s'il faut que je cours... Je sais pas s'il faut que je cours sur les objets ou s'ils viennent à moi tout seul. Ou s'il y a un peu des deux. Je crois que c'est un peu des deux. Faut qu'ils soient dans mon écran, genre. Ok, 3 secondes, c'est pas mal, hein. Attaque améliorée toutes les 3 secondes. Oh, de la bouffe, yes. La bouffe. Ah, je veux aller loin, là. Tant pis pour les gold. Augmente les PV de 40. Augmente la vitesse d'attaque de 15% et la vitesse de déplacement de 10%. Diminue les dégâts réduits de 10%. Bon, on prend ça, évidemment, hein. Les PV. Diminue les dégâts subis. Je pense qu'on va prendre ça. Ça, c'est quoi? Minotaur. Non, mais je vais rester en Berserker. Et là, il y a machin ou pas? Non, il n'y a pas machin. Ok.
Diminue un chien, augmente la vitesse d'attaque et la vitesse de déplacement. Vitesse de déplacement, ça peut être pas mal. Mais le tanking, quand les ennemis vont taper à 1 milliard, je pense que ce sera bien pratique d'avoir du tanking. Ok. Là, je sens que j'ai une bonne run. Hein. Le truc berserk, ça doit être un peu rare à mon avis. Hein. Oh. Ok. Oh, y a eu la OE, vous avez vu, y a eu la OE. Il y a eu l'explosion. Ok, 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 ok. Streamer run, streamer run. Ok. Là, il y avait une petite caisse, j'avais l'impression qu'en la tapant. Ah ! Ok, c'était une bombe. Ok, est-ce que je peux taper dans la flèche qui me tape ? Il faut que je vérifie ça, attendez. C'est important pour la suite. Ok, je peux pas. Désolé, je m'en suis pris 4 pour vérifier, mais... Je m'en suis pris 4 pour vérifier, mais au moins maintenant je le sais. Oui. Oui. Un crâne. Génie. Oh ouais. J'ai envie de tester. J'ai envie de tester. Tant pis pour Groot. Oh, trop stylé. Charge pour infliger des dégâts physiques invulnérables pendant lancement de la compétence. Ok, c'est comme l'autre du coup. Ok, pas mal. Et comment il tape? Oh ouais. Ok, il sort un sabre. Oh, la charge est ultra puissante. Ok, mais les bombes ne me font pas de dégâts en fait. Ok, ok, nice. Bon, je vais quand même switcher parce que le berserker... Berserk m'a l'air quand même incroyable. Ah, ah, je prends quand même beaucoup de dégâts encore. Hein. Ça m'énerve pas encore de prendre des dégâts des mobs nuls, mais ça va pas tarder. Génère un bouclier de PV. Ok, bien. Oh non, un autre. Quoi? Ah mais ok, c'est pas le sac qui m'a donné le bonus. J'essaie de l'attraper comme un énorme blaireau. Ah, taper en toutes les plateformes, ça c'est bien ça. On voit que j'ai joué à Smash ou pas? Non. Ok, bien. La porte de Kerleon. Voilà, je tank. Hein. On est en mode full tanking, mais malgré tout, on fait masse dégâts. C'est le premier boss, je l'ai vu dans le trailer fait par Zerator. Oh my god, à l'aide. Boss du premier étage. Comment on tape? Ok, c'est sur sa tête, j'imagine. Ok, il y a ses mains qui se sont... Ok, ok, je connais. C'est Meat Boy. Ok, je connais. Il y a un sexpot ou pas? Sûrement pas. Le jeu est trop récent pour qu'il y ait un sexpot. Faut pas rêver. Ah ouais, c'est carrément le boss de Meat Boy, putain. Bel hommage. J'adore. Je crois que je suis en train de le fumer, les amis. A mon avis, ça va pas être si simple, il doit y avoir deux phases. Moi je dis deux phases. Ouais, c'est sûr. Oh, ah la l'aide. Ouais, c'était sûr. Ah, mais j'avais pas vu, il y a des petites plateformes pour l'atteindre ici. Aïe. Ok, je suis en train de tout prendre, vraiment, j'ai tout pris. Tout ce qui est prenable dans le jeu, je l'ai pris. Ok, c'est quoi ça? Ok. Ok. Ah, oh, je suis mort. Oui, c'est bon, j'ai bourré parce que j'ai vu que j'avais plus de vie. Yggdrasil dead. Yggdrasil. Ah, le crit, ça fait plaisir. Hein. First try. Merci. Ah oui, non, lui, c'est pas carrément... Merci. L'espace d'un moment, j'ai perdu l'esprit à cause d'un pouvoir maléfique. Mais qu'est-ce que c'était que cette pierre noire? J'ai eu l'impression d'être une chute sans fin dans l'obscurité. Ah, faut parler encore plus lentement pour les Ents, non? Je n'arrivais pas à croire que je n'étais que sa marionnette. Comment va mon peuple?
La forêt profonde a-t-elle déjà perdu sa lumière? Beaucoup de choses se sont passées pendant mon absence, semble-t-il. Je dois venir en aide à mon peuple. Où comptes-tu aller? Le roi démon, avant de m'évanouir, je l'ai vu qu'on l'entraînait enchaîné jusqu'au château de Kerleon. Il avait raison. Nous aurions dû unir nos forces et nous préparer à leur attaque. Bonne chance pour aller accomplir ta mission au château de Kerleon, petit squelette. Que la forêt profonde te bénisse. D'accord. Ah, c'était... Fallait attendre, hein. Les attaques critiques augmentent, attaque magique de 50%, très bien. De toute façon, tant qu'on n'est pas full stuff, on prend tout. Parce qu'après, ouais, quand on a tout, effectivement, il faut jeter certains items et choisir. Mais pour l'instant, on a tout. J'ai toujours que 1 en démolition, exécution, sorcellerie, cœur, endurance, tactique, marche et Léonia. Une caractéristique que tout le monde connaît, la Léonia, bien sûr. C'est le fait d'avoir le rechargement de la... Accélère le rechargement des PV ? T'as supprimé l'item. J'ai cliqué sur détruire ? C'est énorme. Ok. Et bah, je sais pas comment j'ai fait pour le détruire. Parce que moi, je voulais le ramasser. En fait, c'est Y, toujours ramasser. Là, j'ai juste fait Y pour le ramasser. Je l'ai détruit, c'est ça ? Comment j'ai fait pour la détruire ? T'es resté appuyé. Ah ouais ? Ah ok, ok. My bad, my bad. Bon, c'est pas grave. Hein. Ça ne m'arrivera plus. Parce que des fois, pour parler des PNJ, faut maintenir aussi. Oh ! Chut ! Ah merde. 마왕님과 함께 조화의 숲을 지나고 있었죠. 지긋지긋한 칼레온 놈들을 다시 한번 설득하러 가는 길이었어요. C'est pas du japonais. 문에 가까워질 무렵, Mais arrivé, 마왕님이 이제 슬슬 마주칠 때가 됐다는 이야기를 했었죠. C'est du coréen, vous entendez pas? Vous entendez pas? C'est du coréen. 그때 불쑥 인간 소년 하나가 나타났어요. 마치 용사라도 된 것 마냥 꼴불견인 모습을 하고 있었답니다. 보잘것없는 망토에 나뭇가지. 용사놀이였을까요? 처음 보는 소년에 놀란 저였지만 마왕님은 아는 얼굴인 듯했어요. 소년은 우리가 용사들에게 수없이 들어왔던 다양한 대사를 외치고 멋진 포즈를 잡는가 싶더니 겁도 없이 마왕님에게 달려들었죠. 몇 번의 투닥거림 후 그들은 오랜 친구처럼 대화를 나누기 시작했어요. 마왕과 사이좋은 인간이라 재밌는 소년이라 생각했죠. 소년은 다시 한번 포즈를 잡더니 어서 모험을 떠나 용사가 되고 싶단 말했어요. C'est les frères, quoi. Le bien et le mal. 아버지께 자랑스러운 아들이 되고 싶다면서. 마왕님은 씁쓸하게 웃으며 그에게 훌륭한 용사가 될 수 있을 거라 다독였어요. Il était une fois deux frères. 어째서 마왕님이 저런 소년을 친절하게 대하는 건지 알 수 없었죠. Le chat avec son chapeau. 용사가 되고 싶다는 말의 의미를 알고 있긴 한 건지. 소년은 우리에게 작별 인사를 건넨 뒤 떠났어요. 그가 떠난 후 저는 소년의 정체에 대해 물었어요. 그저 용사 지망생인 소년, 모험을 좋아하는 꼬마 정도로 보였거든요. 마왕님은 그 소년이 알 수 없는 힘을 가지고 있단 말했죠. 그 힘이 마왕성과 칼레온, 더 나아가 하모니아 대륙을 구원할 수 있을 거라 말했어요. Oh, c'était long de dire tout le continent d'Harmonia. 그 작은 소년이 말이죠. 소년이 훌륭한 용사가 되려면 얼마나 기다려야 할까요? Je sais pas. 두 분의 관계는 언제까지 지속될 수 있을까요? C'est moi. 저는 소년을 계속 지켜보기로 했어요.
Ok. Après, il est dead. Et c'est re-moi. Oh. Non, je pense que c'était pas moi. Le couloir du palais. Oh, il y a des servants squelettes. Ah merde, c'est des potes. Pardon. Ouais, Skull. Comme je suis content de te voir par ici, qu'est-ce qui t'amène? T'es perdu aussi? Fais attention, si les humains te repèrent, ils vont te poursuivre en criant. Certains d'entre eux vont même lancer une pleine lune en pleine tête. Hein? C'est la pie? C'est pas vraiment un humain. Pourquoi est-ce qu'il continue à tirer des flèches dans le château? C'est dangereux, quelqu'un pourrait être blessé, tu sais. Pourquoi continue-t-il de nous attaquer de la sorte, ces satanés humains? Pff, ils sont horribles. Tu veux savoir ce que j'ai dans la main, hein? Eh ben, je suis passé par une pièce et j'ai remarqué ces belles assiettes, alors j'ai décidé de me servir. T'en veux une? T'en fais pas, il m'en reste plein. Il a un petit chien, regardez. Un petit squelette chien. Dis donc, elle est revenue, elle. Ouah, Skull. Alors, attends, je sais qu'il y a Sylvanas en bas, mais deux secondes. Ah, ça, c'est une porte cassée. Ah, oh, là. Oui, mon enfant, as-tu préparé le fragment d'os? Tu as pris ta décision, très bien. D'après ce que je vois, il nous faut 100 fragments d'os pour l'améliorer. Oui. Peu importe ma puissance, je ne peux pas créer quelque chose qui n'existe pas, abruti. Avec cette quantité de fragments d'os, c'est tout simplement impossible. Pas assez de fragments d'os, cela ne... Avec assez de fragments d'os, ça ne posera plus de problème. Donc faut que je revienne, j'en ai que 10, il en faut 100. Il en faut 100. Oh là là, là il y a du mob là. Merde. Oh. What? Oh, j'ai pris 14. Oh, je vais mourir. Adieu. Attends, il y a un mob énorme là. Ok, c'est la version améliorée de suite tout à l'heure. C'est le même mob. On connaît, vous connaissez. Ah, et en plus rapide aussi. C'est la version mythique de la forêt. C'est comme en HM. Oh, un ogre. Un ogre à deux têtes. Libéré. Merci, tu as sauvé moi. Eux méchants, détruire notre château. Voler mes affaires. Pas d'écho. Mais je savoir pas comment toi entrer ici. C'est ça pas château du roi démon. Ça château de Carléon. Je fais la voix des ogres d'en haut. C'est la même. Je pas savoir où est roi démon. Où mes affaires. Roi démon, il sait où être mes affaires. Peut-être. Sauve le petit squelette. Et revenir après au château du roi démon, promis. Avec affaire de moi, bien sûr. Mais c'est l'ogre qu'on a tué tout à l'heure, donc c'est vrai que je lui avais fait une voix un peu plus smork, mais en fait, il est sympa, donc non. Épée de Carlotte. Ah oui, donc ramasser et supprimer, même touche. Donc effectivement, j'en ai supprimé beaucoup des items. Oh, ça y est, j'ai deux en marche. Bah, le parti, les stats. Augmente l'attaque physique de 6. 6. Donc effectivement, après, tu vas pouvoir optimiser tes objets pour avoir des sets spéciaux. C'est vraiment très 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 bien, ça. En termes de théorie craft, c'est hyper intéressant. Ok, regardez, comme je suis un joueur de platformer. Oh, mais non. 2 millions de gold. Hey. L'ogre, là, il est perdu en cherchant les mortes mines, pouvoir des arcades. La forêt, c'était plutôt le LFR, vu que c'est le premier stage. Bah, c'est vrai. Et comme là, c'est les mêmes mobs, je me dis que ça faisait le mythique. Je suis mort, là. Ok. Oh, il part les coups, mais non. Le boss, le gros soleil là qui approche, vous croyez que ça me fait pas mal? Je vais mourir, adieu. Oh, oh, c'est un Boeing, ça. Boeing. Enfin, pas l'avion. Oh, oh. Ok. J'ai 12 HP à l'aide. Alors, invoque un golem de pierre noire imparfait toutes les 15 secondes qui inflige des dégâts magiques. Lance des fioles qui infligent des dégâts magiques. Fiole d'azote liquide. Lance une fiole qui explose au contact et inflige des dégâts magiques. Les ennemis touchés sont congelés. Cette compétence peut cumuler jusqu'à 4 charges de fioles magiques. Ok. Regardez, je suis un mage. Alors la question, c'est est-ce qu'on peut invoquer Into Switch? C'est sûr que oui. Je pense que oui, non? C'est justement l'intérêt, à mon avis. À mon avis, c'est là tout l'intérêt du jeu. Donc là, j'invoque. Hop! Je switch. Ah! Et là, j'ai 6 HP, merci à tous. Ouais, je vais die, hein. Je vais die, mais à mon avis... on est quoi? Hop, qu'est-ce que... Ah
Ah oui, d'accord, c'est moi, c'est rien, c'est moi. Oh, t'as pas distance ! Oh, c'est incroyable ! Attendez, je savais pas que ça faisait ça. Oh, c'est la tête. Oh, c'est à moi, c'est mon pote. Ah, je suis mort. Ok, c'est incroyable. En vrai, la distance, c'est pas mal. J'ai un peu paniqué, mais la distance, c'est pas mal du tout. Oh, nouveau PNJ là. Oui, je suis beaucoup plus âgé que j'en ai l'air. Comment est-ce que je prends des... J'ai déjà fait. On a quoi? On a 200. Alors c'est parti. Augmente les PV de 0. Ah ouais? Mais ça, c'est une erreur de traduction. Non, c'est 5 en vrai. Et ça, c'est réduit de 0. Ok. Augmente les PV de 10. Ah, ça, faut le mettre à fond. C'est quoi le truc max? C'est 10, c'est écrit. Ok. Permet de ressusciter avec 0 PV. Ça, c'est incroyable. En fait, j'aurais dû aller chercher ça tout de suite. Je suis un idiot. J'aurais dû tout économiser pour foncer aller chercher ça. Je suis idiot. N'ai changé nos têtes. Tu es drôle. Et c'est celle-ci. Mais non. Bouclier squelette. Oh. Oh. Ok. Tous mes potes, ça. Je jamais ordonné mes trésors, mais je donnais toi quand même, toi gentil. La run bouclier. En couleur normale, c'est l'effet actuel, et à côté des chiffres violets, c'est l'effet qui sera en vigueur après avoir acheté. Ouais, non mais ça j'avais bien vu, enfin, je crois. Pommade explosive, lorsqu'elle est touchée, elle explose et inflige des dégâts. Comment ça? Et comment je l'envoie? Détonateur. Ah oui, non, d'accord. Pose une bombe à retardement lors d'un échange. Ah, lors d'un échange, ok. Genre quand je fais ça. Et là, boum. Ok, mais est-ce qu'elle peut me faire des dégâts? Non, parce que sinon je pourrais pas la poser dans le lobby, je pense. Je vais vérifier tout de suite. Je peux pas le savoir parce que j'ai un bouclier. Attendez, je recommence. Ok, ça me fait pas de dégâts. Cool. Bon à savoir. Après, c'est peut-être parce qu'on est dans le lobby et en vrai, ça me fait des dégâts. Oh, c'est pas cool. C'est pas correct. Mais ça fait 0. Oh, c'est pas correct. Du coup, j'utilise pas mes compétences, je fais n'importe quoi. C'est énorme. Du coup, je démarre avec un item. Ça, c'est plutôt agréable en vrai. Je démarre avec un item et déjà un deuxième perso. C'est sympa quand même. Ok. En mettant le bouclier, ça fait des petits dégâts. Plaisir. J'ai pas vu son dashing ce qu'il faisait. Ok. Ah oui. Ah mais oui, du coup le dashing c'est un bouclier. Donc forcément le bouclier en dashing il est trop puissant. Ah, il fait 6 et 4. Ah, c'est pas dingue. Ah, c'est de la merde en fait. Et par contre, il doit pouvoir encaisser. C'est-à-dire qu'en spammant la charge, ça doit être totalement imba. Je pense que pendant qu'il charge, il peut pas trop prendre. Ça doit être écrit, mais je l'ai pas lu, c'est ça. Ah, j'avais déjà lancé l'attaque. Attends, la charge. Les sprints sont considérés comme des attaques, les sprints ne peuvent pas être enchaînés. Lors d'échange, crée un bouclier de PV. Ouais. Ouais, en fait, honnêtement, je joue pas du tout comme il faut au jeu, je le vois tout de suite. En fait, il faut échanger très souvent. Pour l'instant, j'ai pas encore cette mécanique dans les pattes, mais. En même temps, c'est normal, je viens de commencer le jeu. Me direz-vous. Mais c'est clair que. Il faut quasiment échange on CD, je pense. Après, c'est normal, c'est la découverte, hein, mais je veux dire. J'arrive à capter que je fais pas encore les choses très bien. C'est déjà pas mal. Ah, par contre, on voit vraiment que le skill cap est hyper élevé. Tu sens vraiment que tu peux prendre 0 dégâts des mobs quasiment à toutes les attaques. Je confonds encore un peu les touches en plus. Et c'est clair que c'est un jeu basé sur l'échange sans cesse. Toujours échanger. C'est un jeu basé sur l'échangisme. Ça se voit tout de suite. Ouf, aïe. En plus, le skill cap, ouais, mais c'est tellement élevé. Parce que lui, en plus, j'avais oublié, mais il lance son crâne. Il re-TP. Paf. Ouais, c'est clair, hein. C'est clair que c'est ouf.
Comment on échange? J'ai oublié, c'est énorme. Je confonds les touches. J'essaye de faire des trucs et je confonds les touches. Ok. Ok. Du feu ou du poison? Je préfère le feu. Ouais, c'est clair. Hein. Avec le DPS que ça fait quand tu commences à échanger en perma. Parce que là, ça pose une bombe quand j'échange et tout. Donc le combo est vraiment puissant. Ah, c'est ouf, hein. On voit tout de suite qu'on joue mal, quoi. Augmente l'attaque magique de 45 pour chaque esprit possédé. Ah, ok, j'ai un esprit qui me suit. Ok, ok, pourquoi pas. Par contre, j'adorais le mage à distance. Là, j'aimerais trop retrouver un crâne comme ça. Il a quoi, là? Momie. Lors d'un échange, augmente la vitesse de déplacement de sang. Jette sa tête qui explose au contact, inflige des dégâts magiques. Je pense que je vais le prendre à la place de mon truc de base. Ah! Même si en vrai là j'ai de la haut et tout, mais je vais ramasser. De toute façon il faut tester, hein. Je pense qu'il faut tout tester. Gagne 30 pièces, ça c'est puissant. Restaure 1 PV toutes les 3 morts. Restaure 1 PV toutes les 3 morts? Quoi? Ah, tous les ennemis 3 morts! Ah, c'est pas mal ça. Donc là ça va être le boss, donc a priori les... En fait ça c'est pour être assuré de faire le boss en gros. Après là j'ai 1800, je vais le prendre. Je pense qu'au début quand t'es un newbie tu prends ça à peu près tout le temps. Un PV tous les 3 morts, du coup je vais le prendre. Et je vais prendre, je pense, ça pour les pièces d'or. Ok, j'achète un peu tout, mais je m'en fous un peu. J'avoue que pour l'instant, comme les runs sont assez courts pour moi. Ok, comment il attaque? Oh oui! Oh, c'est ça son attaque de base! Alors faut spammer la touche. Si on garde la touche appuyée, ça fait qu'un seul tir. Oh non, mais attends, alors là il va se passer un truc là. Là il va clairement se passer quelque chose par contre. Adieu! Mais vous trichez, madame. Ok, c'est un mage, c'est un mage. C'est Cuphead. Ah, ça, ça me parle, hein. Ça me parle, ça me parle. Ça me parle, ça me parle. Il va me défoncer la gueule. Oh, adieu. Là j'ai mon shield. Là j'ai mon shield encore. Parce que j'ai échangé. Et là je vais re-switcher. Dès que je peux. Ok ok, pas mal, pas mal du tout. Ok, cool. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Mieux, mieux, mieux. Ça se passe mieux. Oh, le déplacement là quand tu switches. Ok, clown. Kobold, augmente l'attaque physique de 25%. Alors là, il y a deux trucs physiques, donc j'ai pas trop envie. Alors par contre, là, on voit pas ce que fait Marche. Attends, peut-être avec la souris. Non. Alors si tu connais pas par cœur et que tu sais plus ce que fait Marche et Duel, est-ce que t'as un moyen de le voir quelque part? Parce que là, à gauche, je sais pas si même je peux y aller là. Je peux y aller? Ah non, je peux même pas y aller. Enfin, si tu les as pas sur toi, peut-être y a un wiki. Ok. Les dégâts du couteau, laisse une marque. Le clown. Après j'aime bien le combo que j'ai là, mais ces deux trucs servent à rien. Hein. Avec le jeu de Kobold qui fait des dégâts physiques et une petite quantité d'or. Oh, ça mine de l'or, énorme. Allez, je vais prendre ça. RB. Ok, c'est RB. Ok, là j'ai un item qui donne de l'or. Frontière de Kaer Leon. Qu'est-ce qu'elle veut? Oui, mon enfant, as-tu préparé les fragments d'os? Tu es à zéro, es-tu idiot? Merci beaucoup pour les 3 ans de sub. Merci beaucoup. Alors voyons. Ok, c'était pas ça. Si c'était ça. Ah si c'était ça, hein, je crois. Oh, 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 il y avait un toit. Ah, lui il peut rien tirer. Oh, je peux tirer en l'air. Oh my god. Non, c'est trop puissant. Oh non. Ça c'est le truc des newbies ça. Ok, je peux pas tirer mon truc dans l'air. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ouais, d'accord, d'accord, d'accord. Alors par contre, on peut pas avancer et tirer en même temps. Ça, c'est la limite de l'OP. C'est la limite de l'opéance.
C'est-à-dire que... Ok. Ah, ça m'a l'air fort quand même. Hein. Ça m'a l'air bien fort, ça m'a l'air bien fort. Ok. Ah, j'ai raté, faut être au cac. Ok, pour que le kobold ça marche, faut être au cac. Ah non, je les cancel. Putain, c'est ouf. Ouh. Avec la petite grenade. Bien joué d'avoir fini le jeu. Ah non, mais c'est pas top. C'est pas OP tier parce que ça fait pas beaucoup de dégâts. En fait, les combats sont longs, mais sont giga safe. Du coup, bah... Enfin, genre ça, faut pas le prendre. Faut éviter de prendre des dégâts connement, quoi. Je t'ai déjà libéré, toi. Dis donc. On peut le libérer en plein... Oh. 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 Ok. Attends. Ok, ok. Grâce à vous, squelette, je suis enfin libre. Nous avons tenté de désorienter l'ennemi en laissant la campagne derrière, mais c'était trop nombreux, nous aurions pu être du président. Besoin de ses os, ses squelettes. Ah oui, ah oui, 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 les fragments d'os, donne. À votre retour, je paye ma tournée. Ah ! Oh quoi ? Je l'ai prise, c'est dégueulasse. Paf ! Je lui ai mis un coup de mine de pioche de cobalt dans la gueule. Brrr. Oh, je peux monter là. Ah, plus tard, quand je serai plus fort en saut. Peut-être. Ouais, peut-être qu'après je trouverai des damage effectivement, mais pour l'instant. C'est pas si incroyable. Ok, je prends pas des PV, je me sens assez confiant là avec mon build. Augmente dégâts magiques du soldat squelette. Lors de l'utilisation d'une compétence, crée un orbe de feu. L'orbe de feu lance une boule de feu sur l'ennemi le plus proche et inflige des dégâts magiques. Oh, c'est fort. Augmente l'attaque magique de 55% pendant 3 secondes lorsqu'elle est touchée. Hein ? Attends. Attendez là, est-ce que... Quoi ? Augmente l'attaque magique de 55% pendant 3 secondes lorsqu'elle est touchée. Donc quand je fais une attaque qui touche un ennemi, elle est augmentée de 55% pendant 3 secondes. Ce qui veut dire que c'est en permanence du coup. Ah non, quand je suis touché. Quand moi je suis touché. Mauvaise trad. Ah, mauvaise trad, c'est quand moi je suis touché. D'accord, donc on va prendre ça. Ok, 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 ok. Recrue de Carléon. Non, désolé, là je me concentre sur cette run là hein. J'avoue que j'avais dit que je fallait que j'achète tout. Bon, je vais prendre ça vu qu'il y a un boss. C'est un skill vengeance. Ouais, ouais, ok, ok, ok. Ouais, mauvaise trad, c'est pas grave, pas grave. Il faut le savoir. Par contre, si j'avais pas le chat, j'avoue, moi j'aurais acheté. Hein. Non, je me serais dit, il y a en tourloupe, c'était trop OP pour être vrai. C'était trop OP pour être vrai. Ouh. Ouh, je tape quand même à 3, c'est quand même pas dingue. En plus, faut spammer la touche comme un demeuré. Ah, c'est vrai qu'il faut pas que je retombe dedans. Ah non, c'est vrai que ça va pas en haut. Ils se tapent entre eux, les rois du monde. J'ai pas évité ça, je suis horrible. Ah, c'est vrai que ça fait très 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 peu de dégâts. Mais c'est normal, c'est ultra safe. Attends, mais si je spam comme un dératé. Ah ouais, la vitesse max de cadence, c'est ça. Et des fois je suis en train de faire ça et j'ai l'impression que c'est le max, mais en fait pas du tout. Ah, je prends plus de dégâts quand les mobs sont finis, c'est bien ça. Ça tombe bien parce que c'était chiant. Je sais pas pourquoi des fois là il y a des trésors. Est-ce que c'est une salle plus rare qu'une autre? Je sais pas. Ça c'est mon item aléatoire. Ah! Je sais pas, j'ai changé de truc. Merde. Très bien, très bien. Oh, des PV cette cage. Oh, ça fait tellement 2 de dégâts. Qu'est-ce que c'est que ça? Sont passés les autres qui tuent. J'ai entendu des pas dans mon sommeil. Je pensais que c'était un rêve. Si ce n'est pas un rêve, alors il me reste quelque chose à faire. Mais bon, je suis encore fatigué. Pourrais-tu me donner un peu de ta vitalité? Ouais.
Je suis encore fatigué, désolé, mais c'est la tête de mon compagnon gardien. Pourrais-tu trouver un bon endroit où l'enterrer? Je comptais le faire moi-même, mais j'ai trop sommeil. Oh, il veut qu'on enterre son... Ah oui, mais c'est le truc du loup-garou, je l'ai eu tout à l'heure. Ouais, mais là, je préfère ce que j'ai. Désolé, au revoir. Mon truc random. Augmente les PV de maximum de 35, les dégâts infligés font mal et congèle les ennemis aux alentours. En fait, tant qu'on n'est pas full item, c'est top. Ok, Yggdrasil. C'est vrai qu'il faut que je supprime les items. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut que je supprime les items que j'utilise pas. Ok, bon, tout à l'heure j'ai eu de la chance, faisait un max de dégâts. Là, je pense qu'on va pas avoir la même. Hein. Parce que tout à l'heure j'ai quand même pris toutes les habilités. Hein. Et ça a pas l'air d'être mieux parti là. Hein. En fait, j'arrive pas à comprendre. What? Il m'a pas fait ça tout à l'heure. Ouah, il m'a fait ça tout à l'heure. Ok. 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 Ah, j'ai raté. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur à éviter, j'arrive pas à comprendre encore. Oh, j'arrive pas. Hein. Je le tape au moins, je tape pas. C'est énorme. J'arrive pas à éviter. Hein. J'arrive pas. J'arrive à éviter aucune attaque. Peut-être que j'utilise mon dash, mais le dash de... Bon, je pense qu'il y a encore la phase 2. Ouais, non, clairement, tout à l'heure, j'ai eu de la chance. Bon, là, faut être en l'air. Ça, j'ai compris. C'est la seule que j'ai compris d'attaque. Bien joué à moi. Ah, c'est perdu. Ok. Je bourre. Ok. Ok, il a pas encore régène, donc c'est inutile pour l'instant. Ah, c'est dur. Pour l'instant, j'ai pas compris parce que le screen shake est ultra chiant. Moi, ça me gêne pas. Je trouve que c'est important. Bon, c'est sûr qu'il faut que je bosse mieux les dashing, genre ça là. C'est ça que je fais pas assez. Mais et c'est pour ça que je suis mort. Le combo de l'arbre. Ah ouais, c'était dur hein. C'était dur cette phase. Mais c'était une belle run, on a découvert des choses. De toute façon, on est encore dans la phase de découverte. On a déjà tué ce boss en plus, donc c'est normal. Bon, belle run.